taille de la fonte, en gros. On lui dit depuis où on veut cette curseur. C'est comme si on était sur un écran, on lui dit depuis là, tu vas m'écrire, comme si on était sur une grille, etc. C'est une grille en pixels, techniquement. C'est un écran de 228 par 129, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, set text color, donc on choisit la couleur de l'écran qu'on a défini ici, voilà. Et puis, text drop, c'est juste un paramètre qui n'est pas forcément nécessaire. Et là, j'ai un message qui ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi c'est là. Et en gros, là, le message que j'ai mis en paramètre ici quand j'appelle, vous pouvez changer, vous pouvez mettre autre chose si vous voulez essayer. C'est pas le bon écran qui est streamé. Vous ne voyez pas depuis non, 10 minutes ou bien non, ça vient de changer. Ah. J'ai eu peur. Donc là, le message, vous pouvez le changer si vous voulez. Tant que vous mettez ça entre guillemets, vous pouvez mettre n'importe quel message ici. Enfin, on peut mettre n'importe quoi ici. Et si on lui dit juste string to array, donc en gros, comme avant, on va utiliser une fonction qui va convertir ça d'une manière, parce que l'écran, il a besoin qu'on lui envoie notre message d'une certaine manière. Concrètement, ce que ça fait, ça prend le message que j'ai envoyé ici, qui est envoyé ici dans une autre fonction. Qu'est-ce qu'il prend? C'est qu'il prend caractère par caractère. Et là, c'est ce qui se passe, c'est que si le caractère est une étoile, bien, il va juste le couper en plusieurs mots. En gros, il va dire ça, c'est un autre mot. En gros, ce qui se passe ici, c'est qu'il va reprendre ce que j'ai coupé. En gros, à chaque fois qu'il y a un mot qui est coupé, donc dans une boucle for, donc il va faire plusieurs fois l'action, il va afficher le texte à un endroit. Et en gros, à chaque fois que j'ai mis l'étoile, ça va faire l'élément suivant. Et en fait, la hauteur Y, donc sur la grille en Y, il est incrémenté par la position dans l'array. Donc en gros, le premier mot, il sera tout en haut, le deuxième, il sera plus bas. Donc c'est ce I fois 20, qui est tout à fait choisi par moi, c'est pas une valeur fixe, mais en gros, c'est l'écart que je trouve intéressant. Et puis, display print, donc là, ça affiche sur l'écran le message qui est ici. Donc là, c'est les mots par mot. Et display print, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, ici, il y a un display display. C'est-à-dire que c'est le truc qui va vraiment faire que ça, quand ça affiche. Ici, il y a les paramètres. Ensuite, on appelle une fonction qui est un peu plus bas, dit ce qu'on va mettre sur l'écran. Après qu'on ait dit ça, en fait, le bout de code, enfin, on rentre dans cette fonction, la fonction truc. Quand on a fini la fonction, on sort et en fait, on va dire afficher. Donc là, si vous uploadez le code, vous verrez que normalement, ça fonctionne. Vous pouvez même essayer votre propre message. J'ai mal fait. Est-ce qu'il y a des gens chez qui ça marche? J'ai vu qu'il y a déjà des gens qui avaient essayé, ça avait l'air de marcher. Est-ce que vous aussi, vous avez votre propre message sur votre écran? Oui, magnifique. Donc là, on a déjà deux grosses briques du projet. On affiche des trucs sur un écran, du texte, et on scanne les Wi-Fi. Il manque un peu le lien entre les deux, il manque la partie sur la database, mais concrètement, c'est... On voit que ça prend forme. En gros, c'est un onglet de plus dans notre fichier final. Il y en a 5 concrètement des onglets. Mais là, ça fonctionne. Ceci est un test. Test 2, 3, 4, test 3. Parfait. Est-ce que vous avez des petites questions sur cette brique de code? Ça te dit une erreur ou... Ça dit quoi? Alors, ouais, bah alors dans ce genre de cas, tu te remets juste en mode upload et puis tu réessayes, des fois ça arrive. Ouais. Enfin, deux fois sur le bouton reset pour qu'elle pulse. Des fois en USB, tu as aussi des problèmes de câble, il faut juste débrancher, rebrancher. Et des fois, vu que ça compile, c'est-à-dire que notre code, en fait, il n'est pas envoyé en tant que tel. C'est-à-dire que l'ordinateur, avant de l'envoyer au phaser, il va le mettre dans un autre langage, il va le compiler. Et puis, c'est possible que des fois, il y a une petite erreur de compilation parce que ça va assez vite, c'est fait ça rapidement. Donc, voilà. Là. Les musiques qu'on écoutait l'autre jour. Ça, c'est le dernier exemple. Ensuite, maintenant, on peut passer à... Après, il y a l'exemple pour le GPS. Ouais. Il faut ce qu'on regarde du modeler. Est-ce qu'on prépare de chaque brique, entre guillemets, indépendamment, ou est-ce qu'on
part sur le bon code. Moi je pense que le bon code, je sais pas si on le, je sais pas si on le montre tel quel, tu vois. On dit juste regardez là, il y a cette brique là, il y a cette brique là. On le fait tout indépendant. Je pense, ouais. Je pense. Ok, ouais. On m'entend pas ? Ah oui, d'accord. Est-ce que vous avez toutes et tous un petit message sur votre écran ? Alors vous avez un message d'erreur sur votre écran. C'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qu'on veut. Normalement, si tu en ouvres un des deux, ça offre tout, normalement, si jamais. C'est bon, ok. Ok. C'est la même chose qu'avec toi. Pour les deux devices, il fait pareil. Ouais, c'est bon, on m'entend là ? On m'entend ? Non ? Je pense pas, hein, parce que... Est-ce que là, ça va ? 1, 2, 1, 2, test. Toujours pas ? Est-ce que vous m'entendez ? 1, 2, 1, 2, test. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que ça fonctionne ? Non ? Peut-être si tu vas dans ton gestionnaire de tâches, tu fermes totalement Arduino. Là, maintenant ? Ok. Si tu as des trucs là, de Java, on n'a rien de Java qui tourne. Toujours pas, non ? Toujours pas ? Il est branché ton micro ou pas ? Ah, oui, il est branché. Il a, il a regardé. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, là, on est bien en mode. En plus, t'es en mode. Non, mais c'est sur celui-là qui est branché, c'est l'autre. Ah. Moi, ouais, j'ai. Mais là, t'es en mode. Set, hein. Attends, on le refait, mais c'est bizarre parce que. Bah, je reclique deux fois. Voilà, c'est, normalement, c'est en mode. Là, c'est en mode comme ça. Là, ce qui arrive, juste va dans les ports. Ah, j'ai pas choisi le port. Hein, bah, non, mais là, ça a l'air d'être bon. Là, non, mais maintenant c'est 7 et la première fois qu'on l'avait fait c'était le 6. Bah en fait, si tu veux, le. Ouais. Ah ouais, il change de port. En fait, en mode normal, il est sur un port, donc là apparemment le 6. Et puis bah, quand il se met en mode. Mais c'est... Du coup, il passe sur le 7 quand on est en mode. Du coup, j'ai dû faire une. Si tu fais juste un nouveau sketch, un sketch vide, et puis que tu essayes de l'upload. Ça n'a pas l'air de réussir à accéder à autre. Ah si. Voilà, ça a marché, du coup il se passe plus rien. Du coup, si tu essayes de reploader celui de gauche là, ça se remet en mode test. C'est juste chez toi que ça marche pas ? Non, mais c'est sur deux. Ah, les deux ? Ok. C'est dans le code. Mais avant, il y avait d'autres sketchs qui fonctionnaient, le truc avec le Wi-Fi, t'as pu le faire sans souci. Et t'as changé des trucs dans le code ou... À moins que j'ai tapé un truc sans faire. Non, non, mais je pense. Ah, est-ce que ton 1, c'est dans un dossier qui s'appelle 1 ? Parce qu'en fait, il y a un truc en fait, ça, c'est un truc en Arduino. Alors peut-être juste, peut-être vous aurez toute cette erreur un jour. En fait, en Arduino, le fichier, donc le document qui contient les fichiers, en fait, il faut qu'ils aient le même nom que le sketch principal. Donc, en gros, si vous changez le nom du dossier et que ce n'est pas le nom du sketch, ben, vous ne pourrez pas le compiler. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oh, bon, voilà. C'est... Donc, je pense que c'est peut-être ça le... Au pire, pour corriger ça, tu peux juste le sauvegarder ailleurs. Un petit... Ouais. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer le nom.
Ah ouais. Bon là non, bah, du coup ça devrait fonctionner si ça change le nom du fichier. C'est ce qu'il faut qu'ils aient le même nom. Non, ça avait la même erreur. C'est super bizarre. T'as essayé un autre port. T'as essayé un autre port USB. Repars depuis le GitHub, tu le reprends depuis le GitHub, puis tu. Ouais, mais moi je pense que je suis assez convaincu que c'est pas un truc de GitHub. C'est vrai. Est-ce que les autres, vous avez réussi à faire vos messages et vous vous ennuyez déjà, c'est ça? Parfait. Hello tout le monde. Hello. Ouais. C'est tout le monde aussi, c'est bien. C'est quoi l'erreur? Toi, t'étais en avance, je te demande pas. Office 1, il est installé. Ouais, je sais que des fois, plus souvent sur Windows que sur Mac, j'ai des erreurs aussi comme ça et... Ça finit par un rythme. Oui, de quoi? Ouais, il est renforcé là, donc il est installé, ouais. Logiquement. Ah, mais peut-être c'est ça. Avant c'était déjà ça. Est-ce que tu avais déjà. En fait, le sketch principal, c'est là que tu dois importer les librairies. Tu vois ce que je veux dire? C'est que là, en gros, où il y a le loop et le install, tu la mets en anglais secondaire. Peut-être changer de le port USB, des fois c'est ça. Hein. C'est peut-être ça. Ouais, normalement, ouais. Mais s'il a été installé, c'est... Peut-être, ouais, il est un peu plus calé en Arduino, donc ouais. Je vais lui demander. Ouais. Il y a un souci de la librairie là-bas de l'autre côté, mais pourtant elle est installée. C'est la EPD? Ouais, c'est la son, là. C'est No Such File Directory. Ouais, mais en fait... j'ai pris un peu d'avance, hein, pour connecter sur la database. Ouais. Ah, je ne trouve pas, mais par contre, j'arrive à compiler. Arduino, Firebase Arduino FIH. Tu l'installes, cette librairie? La 101, là, ouais. Apparemment, oui. En fait, c'est. C'est ça. En fait, c'est basé sur Wi-Fi 101. En fait, quand tu l'importes, ça importe Wi-Fi 101, mais il faut mettre cette librairie. D'accord. Et puis peut-être, ouais, peut-être je vais vous montrer ça aussi. Ok. Ça, toujours pas. Bah, peut-être. T'as pas redémarré encore, déjà. Ah, c'est la seule solution que je vois, mais c'est super chiant. En gros, là, ce qui nous manque comme brique, c'est technique. C'est la brique qui communique avec le GPS, qui nous permet d'avoir l'heure et la position. Sauf que, spoil, dans ce bâtiment, on n'arrive pas du tout à capter les positions, parce que c'est plutôt des GPS d'extérieur, on peut juste avoir l'heure. Ça marche exactement comme le Wi-Fi. Donc on peut rapidement le garder, mais techniquement c'est exactement pareil. Et puis on a la brique database. Donc peut-être je vous propose qu'on regarde celle-là, puis je peux vous montrer aussi comment vous faites votre propre database. Parce que là, ça serait stocké chez moi, en guillemets, mais le plus simple c'est que vous puissiez accéder vous. Donc il y a un exemple qui s'appelle connexion to database. Donc vous pouvez ouvrir cet exemple, enfin vous pouvez l'ouvrir, mais on va y avoir une étape intermédiaire entre les deux. En fait, d'abord, je vais vous montrer comment marche la database. Ce qu'on utilise comme technologie, c'est Firebase. Tu veux montrer toi ça? Non, vas-y. Tu l'as sous les yeux là. Firebase. Firebase, c'est un service de Google. On en pense ce qu'on veut. Je suis le premier à être critique pour Google. Pour ce genre de projet, c'est super simple. C'est une database où, en 4 clics, on a une base de données qui est accessible en 2 lignes de code. Pour la quantité de données qu'on fait traverser, c'est gratuit, c'est super simple. Les données ne nous appartiennent pas, donc en termes de souveraineté numérique, c'est totalement questionnable. Nous, on veut que ça fonctionne en local avec la carte SD, c'est pas encore le cas dans le projet, mais pour une étape actuelle, c'est vraiment le truc le plus simple pour que ça fonctionne. Donc vous pouvez aller sur firebase.com donc, ou console.firebase.google, et depuis là, on peut créer un projet. Donc il faut juste avoir un compte Google, enfin compte Gmail, il n'y a rien besoin de spécial normalement. Donc dites-moi quand vous êtes sur la page, on fait ça étape par étape ensemble.
faut créer un projet. Ouais. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, cliquez sur créer un projet. On peut l'appeler comme vous voulez. On peut l'appeler Invisible Network. Je crois que j'en ai déjà un qui s'appelle comme ça. Du coup, je vais l'appeler 2. Continuer. Je vous propose de désactiver les Google Analytics. On n'en a pas besoin. Ça évitera de se faire espionner plus qu'on l'est déjà. Google. On vous voit. Ça prend un peu de temps. Mais pour créer une database aussi rapidement, ça prend pas beaucoup de temps. Continuer. On retourne là-dessus. Là, ça ne nous a pas demandé. Ah oui, voilà. Donc là, est-ce que tout le monde est à cette étape? Avec une database créée et puis juste. D'après. Je peux vous désactiver. Comment? Real-time database? J'ai pas compris, pardon. J'ai pas compris, pardon. Real-time database? Alors, tu peux créer un Google et puis après real-time database, exactement. Ouais, ouais, pardon, ouais. Du coup, après, vous allez sur Real-Time Database, là, à gauche. C'est ce qu'on va utiliser. Et puis, il y a un bouton pour créer une Real-Time Database, créer une base de données. On est à 3 clics, là. On est à 3 clics. Je vous propose de plutôt mettre les serveurs en Belgique, vu que c'est les serveurs les plus proches de nous. Ce sera le plus rapide, le plus écologique, avec de très gros guillemets. Mettez-vous en mode test, ça va vous permettre qu'on puisse se connecter sans qu'on ait besoin de permission, une chose comme ça, c'est ce qu'on veut, c'est le truc le plus simple possible. Démarrer en mode test, activer, et là, techniquement, la database, elle est en place. Ce qui nous manque maintenant, c'est comment on envoie des données à la database, et ça, ça se passe dans l'IDE Arduino. L'exemple sur GitHub dans Test Component, connexion to database, c'est pas vraiment là que ça doit être, c'est pas vraiment un composant, mais c'est un peu une brique, donc on va mettre ça là. Le code est pas très gros. Qu'est-ce qui se passe? On a une petite librairie qu'il faut installer qui s'appelle Firebase Arduino Wi-Fi 101H. Ça reprend la même librairie qu'on utilisait avant pour le Wi-Fi, sauf qu'en plus, ça ajoute des fonctions qui vont nous permettre de communiquer avec Firebase. On voit que ici, on définit le nom d'un Wi-Fi et le password du Wi-Fi auquel on va se connecter. Parce que là, en fait, on a besoin d'être connecté à un Wi-Fi pour pouvoir connecter, pour se communiquer avec une adresse web. Et puis, donc vous pouvez vous connecter au mien. Si jamais ça, c'est pas l'apostrophe auquel on est habitué, c'est un accent aigu, je crois. Donc, vous trompez pas si vous connectez à mon Wi-Fi parce que j'ai fait l'erreur il y a fort longtemps. Je me disais, mais ça marche pas avec mon iPhone. Il y a une technique pour ça, c'est qu'on utilise le code qu'on a fait avant pour scanner les Wi-Fi. On va copier le code, on va copier le nom. Comme ça, on est sûr qu'on écrit juste. C'est une magouille, mais ça marche. Et puis, là, je vous conseille de changer le username. Là, on peut faire le test, on peut faire juste le test avec la database que j'ai créée. Puis après, on implémente juste la vôtre. Mais en gros, là, vous changez juste le username comme ça. On est sûr qu'on ne s'écrase pas parmi. Parce que le problème, c'est que si on a le même nom, on risque de s'écraser. Et en gros, ça tient à ça. Si vous avez copié l'exemple, vous pouvez garder ça. Ça va être connecté à une database que j'ai créée ici, qui se trouve juste là. Et puis, je vais mettre la page en plus grand. Voilà. Non, pas ça que je voulais faire. Mais... Voilà, on revient au code. Qu'est-ce qui se passe ici? On lui dit Firebase Arduino H librairie. Ça, c'est mon Wi-Fi, ça, c'est mon mot de passe, ça, c'est mon utilisateur, ça, c'est le nom de mon sketch Firebase, et ça, c'est le mot de passe secret que je vais vous montrer où il est quand on fait pour la vôtre. Firebase Data, on utilise les mêmes pins que tout à l'heure pour communiquer avec notre module Wi-Fi. Vous voyez que ici le serial begin, il est vachement plus haut, c'est pour que ça aille plus vite, pour que ça soit plus simple pour scanner le Wi-Fi, etc. Donc vous voyez, je ne sais pas exactement, c'est basé sur les bits ou les bytes, mais en gros, c'est des chiffres qui sont basés sur des bits, donc c'est des multiples de tatata, mais voilà. 9600
115 200, ces trucs vous verrez souvent. Tant que le CRL n'est pas ouvert, il ne se passe rien, comme les autres faits qu'on a fait. Donc il ne va rien s'imprimer, enfin, il ne va techniquement rien se passer. On se connecte au Wi-Fi avec ça et ça. Tant qu'on n'est pas connecté au Wi-Fi, ça va juste mettre un 3 petits points, 3 petits points, 3 petits points. Une fois qu'on est connecté au Wi-Fi, on va dire à Firebase de commencer. Si jamais on s'est déconnecté, on se reconnecte au Wi-Fi. On crée juste un pass qu'on stocke dans un string, le chemin auquel on veut envoyer des data. Ici, c'est un slash, enfin, c'est comme un chemin sur un ordinateur, sauf que c'est un chemin d'une database, c'est plus simple que de l'écrire chaque fois, super long. Un slash, le username qu'on a défini en haut, que je vous ai dit de changer, moi, qui s'appelle test. Je vais peut-être mettre plus grand. Voilà, tac. Dans un sous-dossier, test, en guillemets. Et puis ensuite, je vais faire ça. Là, si vous uploadez ce code, ça ne va pas marcher pour deux raisons. Peut-être que le firmware, c'est le code qui fait fonctionner un bout d'électronique. C'est-à-dire qu'il y a le hardware, le software et le firmware, c'est le software d'un hardware, en gros. Donc ça, on va le mettre à jour. Et surtout, c'est parce qu'il n'y a pas de certificat. C'est-à-dire qu'on va se connecter à un site internet, il va dire, mais c'est quoi ce truc qui me spam, etc. Du coup, il faut qu'on installe le certificat. Comment on fait? Alors, on va dans File, Example, si vous avez installé librairie, donc là, non, celle-là, vous l'avez déjà, Wi-Fi 101, Firmware Updater. C'est un sketch qui va mettre notre board dans un mode qui va nous permettre de l'update. Donc je répète, example Wi-Fi 101 firmware updater. Est-ce que tout le monde a ça sous les yeux? On clique dessus. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est qu'il faut dire les pins qu'on utilise pour notre module Wi-Fi. Parce que ça, c'est un sketch par défaut. Mais ici, on n'a rien à changer, rien à regarder. Le seul truc qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie de mettre cette petite ligne de code qui nous dit notre module Wi-Fi, il se trouve ici, donc l'update, tu vas la faire là-bas. On peut upload ce code. Alors, dans Fichier, en haut à gauche, Exemple, donc ça, c'est, il y a les exemples par défaut d'Arduino et toutes les librairies que tu as téléchargées. Et dans Exemple for any board, ou pour toutes les boards, il y a normalement la librairie Wi-Fi 101, qui est la librairie qu'on a utilisée avant pour scanner les Wi-Fi. Et là-dedans, il y a firmware Updater. Avec un magnifique accent anglais. Firmware Updater, et il ne faut pas oublier, au tout début du setup, de juste écrire cette ligne Wi-Fi 7 pins 8742 que vous avez dans d'autres codes que vous pouvez copier-coller, mais sinon Wi-Fi comme ça là, 7 pins 8,7,4,2. Est-ce que ça joue? Je vais juste l'upload. Donc une fois que c'est upload, là notre Phaser M0 est prêt à recevoir une mise à jour. Est-ce que tout le monde a ça? Ok. Ouais, alors le firmware updater, tu le prends tel quel, c'est juste qu'au tout début du setup, donc ligne 41, tu vas juste rajouter cette ligne de code là, celle-ci, c'est tout. Juste ligne, une ligne, ouais. Qui est cette ligne-là. Et puis après, il faut upload le code. Là, je pense que ça vaut la peine de double-cliquer, de sélectionner le bon port. Pour le mettre en mode... Ouais, ouais, exact. Enfin, deux fois, du coup. Et si ça marche, il pulse. Et là, juste dans les ports, ça a changé. Il faut juste aller resélectionner le bon port. C'est bon pour tout le monde?
Alors, une fois que c'est bon, toujours dans Tools, il y a un onglet, enfin, il y a un menu dans le sous-menu qui s'appelle Wi-Fi 101 Wi-Fi Nina Firmware Updater. Firmware Updater. On clique dessus, ça ouvre une petite fenêtre. Donc, dans Tools, Wi-Fi 101 Firmware Updater. Dans cette fenêtre, on va sélectionner le port qu'on veut utiliser et on peut juste cliquer à droite sur Test Connection juste pour voir si ça marche bien. Si ça marche pas, ça met non. Si ça marche bien, ça met The Programmer is Working. Si vous avez ça, c'est que c'est bon signe. Est-ce que tout le monde a ça? Oui. Oh, t'as une erreur? Alors peut-être juste refresh la liste. Là, si elle... Attends, en mode... Alors, peut-être mets-toi en mode upload là si tu double-cliques. C'est bon. Refresh. Non plus. Est-ce que ça tu l'as bien uploadé hein, celui-là? Ouais, non, mais c'est bon, ça devrait aller. Et puis ce sketch, tu l'as upload. Hein. Tu l'as mis sur ton Arduino. Ouais. Ok. Alors si on refresh. Attends, close le serial. Ah, oui, c'est parce qu'en fait, t'as le serial monitor qui est ouvert ici. Bon, tu peux juste le fermer comme ça. Parfait. Du coup, là, il y a deux choses à faire. C'est que premièrement, on va update le firmware, donc c'est-à-dire le code qui nous permet de contrôler le Wi-Fi. C'est le premier de la liste, donc c'est le Wi-Fi C1501 modèle B, machin truc, machin. C'est écrit Arduino, Genuino, Uno, MKR1000. C'est pas la board qu'on utilise, mais en l'occurrence, c'est ce firmware-là. Donc, on peut cliquer dessus. Et puis mettre update firmware, normalement ça prend pas beaucoup de temps. Et puis ça vous fait un petit téléchargement. Et là l'autre chose qu'il faut faire, et qu'il faut absolument pas oublier de faire parce que c'est très frustrant quand ça marche pas, c'est de mettre un certificat pour l'URL à laquelle on veut aller. En fait, si on regarde juste, vous pouvez laisser la fenêtre ouverte, je vous montre juste un truc vite fait sur Firebase. Dans notre database qu'on vient de créer, en fait, vous voyez qu'ici, il y a une adresse qui est concrètement une URL et c'est littéralement l'URL qu'on va utiliser pour communiquer avec. Il y aura un mot de passe secret, etc. Et c'est cette URL-là qu'on va utiliser. Si vous regardez dans l'exemple que j'ai fait avec la database que j'ai créée, ici, il y a invisible network default RTB machin truc. Ça, c'est l'URL que je vais utiliser. Donc, pour l'exemple, juste recopier, vous pouvez juste copier l'URL comme ça, hein, dans le code même. Vous la copiez. Et dans le certificat, donc dans la fenêtre où on était tout à l'heure, il faut mettre ajouter un domaine. On copie-colle ce qu'on vient de on colle ce qu'on vient de copier. On dit OK. Puis là, on dit upload certificat to Wi-Fi modules. Ça va nous permettre de, quand on fait une requête à ce serveur, à cette adresse, ben, qu'il ne pense pas qu'on est n'importe quoi ou n'importe qui et qu'il y a un certificat qui dit c'est pas un truc de hacker. Voilà. Est-ce que tout le monde a réussi à faire ces deux étapes? Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut retourner sur l'exemple connexion to Firebase. Et là, je vous demande de changer votre username en autre chose. Et on peut tous tester. On va voir qu'il va sans doute se passer quelque chose ici. Et du coup, si vous gardez l'exemple, ça sera connecté à mon iPhone. Normalement, il est accessible, donc ça ne devrait pas poser problème. Donc, on upload le code. Alors ouais, alors Firebase Arduino Wi-Fi 101, si vous ne l'avez pas téléchargé, téléchargez-la.
Sachez que son développeur est très sympa. Et quand je lui ai écrit à 2h du matin, il m'a répondu le lendemain. Je pense qu'il était aux États-Unis, mais ça a permis de servir un petit bout de ce workshop, je dois l'avouer. Je ne vous le cache pas. Donc, si vous avez des problèmes avec des librairies et qu'elles sont sur GitHub et que vous voyez que c'est actif, n'hésitez pas à des fois laisser un message en mettant un screenshot de ce qui ne va pas, des choses comme ça. C'est des communautés assez bienveillantes qui aident volontiers quand on a besoin. Donc, je ne peux pas voir qui est connecté à la database, mais si ça fonctionne, je vais voir des choses arriver ici. En l'occurrence, ça fonctionne pour personne, même pour moi, ça ne fonctionne pas. Je vous rappelle que dans le setup, il y a un serial begin, un while serial. Donc, tant qu'on n'ouvre pas le serial, il ne se passe rien. Donc, il faut connecter le bon port. Justement, si tu ouvres le serial, déjà, ça va te dire que tu es connecté à un Wi-Fi. Et puis, une fois que c'est bon, normalement, ça te dit le message test a été envoyé. Normalement, il y a un serial print. Donc, si tu n'as pas reçu ça, c'est-à-dire que ça n'a pas marché et c'est censé t'envoyer un message d'erreur. Est-ce que tu as trois petits points qui s'impriment constamment? Alors, ça veut dire que vous n'arrivez pas à vous connecter au Wi-Fi. C'est mon Wi-Fi. Alors, ça vient peut-être des fois, il faut que tu aies dans paramètres Wi-Fi. Parce que des fois, ça bloque. Vous avez pris l'exemple ou pas? Alors, si vous avez pris l'exemple, dans l'exemple, c'est, ça se connecte. En fait, c'est l'ESP qui se connecte à mon Wi-Fi. À mon Wi-Fi. Est-ce que là, il y a des gens chez qui... Ah, j'ai Boris qui arrive chez moi. Magnifique. Donc là, est-ce qu'on peut juste mettre l'écran? En gros, ce qui se passe, c'est que vous allez voir s'il y a quelqu'un, ça marche. Ça va apparaître ici un nouveau truc. Donc là, vous... Qui est connecté sur mon Wi-Fi? Enfin, qui essaye de se connecter à mon Wi-Fi? Moi, ça fonctionne ou pas? Catastrophe. Peut-être pour l'exemple, essayez d'aller tous sur le... Fabio Test. Fabio Test qui arrive juste ici et qui dit « Ceci est un test ». Pas très original, je trouve. Hein. Je dis ça comme ça. Est-ce que déjà tout le monde dans son serial a connecting to Wi-Fi? Non. Non. Ouais. Alors c'est pas la librairie Wi-Fi 101, c'est la librairie Firebase Arduino Wi-Fi 101. C'est une librairie qui est dérivée de la Wi-Fi 101, mais qui ajoute des fonctions qui sont propres à Firebase, ouais. Ouais, un autre truc. Tant que c'est entre guillemets, ça fonctionne. Tu peux mettre ce que tu veux, ouais. C'est un pseudo, un nom d'utilisateur triste. Tu peux mettre ce que tu veux. Tu es connecté à mon Wi-Fi? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est-à-dire que tu as perdu le Wi-Fi pendant que tu le faisais. Peut-être si tu veux, si je le mets plus proche et que tu relances ton sketch, si tu cliques sur le bouton reset de ton Arduino et que tu réouvres le serial. Je clique ici. En fait, le while serial, ce qui est dans le code, c'est qu'en fait, tant qu'on n'ouvre pas la fenêtre, ça ne va pas se lancer. Et vu que c'est dans le setup, ça ne le fait qu'une fois. Donc, il faut qu'on clique pour reset le sketch. Et après, on réouvre la fenêtre et puis ça marche. Attends, peut-être. Et puis ensuite, je roule le moniteur. Exact. Ah, ça va faire tout de suite. Là, donc là, peut-être. Le message de test a été envoyé. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la database? La database, j'ai reçu un test LC. Test LC qui nous dit, roulement de tambour, ceci est un test. Oh là là. Chez qui ça marche pas? C'est quoi? C'est le Wi-Fi? Il ne trouve pas le Wi-Fi? Mais c'est toujours les mêmes. Je rigole. Enfin, c'est... C'est, vous arrivez à vous connecter ou même pas? Alors, soit c'est le nom de ton Wi-Fi qui n'a pas été écrit pareillement, enfin juste. Alors, est-ce que tu as mis le mien avec l'accent grave là ou pas? Ouais. Je l'ai copié-collé de. Et là, si tu ouvres ton serial. Trois petits points, multi-points.
ça va vite en plus. Alors, vas-y, laisse ouvert. Là, tu vas te mettre sur partage, non, c'est du iPhone, ça marche jamais. Là. Evan, t'as ton partage connecté là ? Moi j'ai mon partage. Ouais, ouais. Tu vas essayer sur le mien ? L'iPhone, c'est trop chiant. Je vais essayer sur le mien aussi. Hein. Est-ce que ton ordi le détecte celui-là ? Le partage ? Moi, je suis connecté sur le mien avec mon ordi. Oui, non, mais est-ce que ton ordi détecte le Wi-Fi de Paul ? Avant, quand tu scannais les Wi-Fi, t'avais pas de soucis ou bien ? Bah, le mien, je le trouvais pas quand je scannais les Wi-Fi. Mais t'arrivais à scanner les Wi-Fi ? Oui. Pas aux iPhones quand je le scanne. Vous voyez qu'on commence à avoir presque toutes les briques et je vois aussi que le temps passe. Donc promis, la prochaine chose qu'on fait. Le code final. C'est qu'on passe sur le code final et que vous mettez votre database. Mais nous, il y a la plupart des étapes qui n'ont pas marché, du coup, nos boîtiers, ils font un peu rien. Là. Comment ça, la plupart des étapes ? Bah, les trucs pour imprimer, là, ça ne marchait pas. Enfin, je crois qu'il y a, je ne sais même plus où on en est en fait. Bah, sinon, de toute façon. Ah, le message a été envoyé. Le message a été envoyé. Parce qu'il y a déjà le truc du texte là. Genre, il ne s'est jamais affiché le texte ? Non ? C'était quoi l'erreur ou... Ah, j'ai pas, je l'ai pas sur mon téléphone, j'ai pas vu. Ok, peut-être ce qu'on peut faire, c'est que de toute façon là, on va passer sur un autre code qui regroupe tout. Et plutôt que de prendre chaque truc pour copier dans. Là, si tu changes le port. Ouais, il faudra juste rechanger les informations de votre database, enfin ce qu'on a déjà fait, mais il y a tout dedans. Enfin, on va pas s'amuser à tout recoller. Donc peut-être qu'à ce moment-là, ça sera plus simple. Bon, après, quand tu le mets en mode upload, c'est-à-dire que double-clic, ça change le port par défaut. Hein. Sur Firebase, ouais. T'as pas encore fait ça ? Donc c'est normal que tu doives le changer. Alors, t'en es où ? En dessous, real-time database. Ouais. Aïe ! Ensuite... Je crois que j'ai plus de batterie database, propre. Base de données. Mais on peut la souder. Tu choisis Belgique, ouais. C'est ça, suivant. Enfin, je vais vite ressouder une batterie, puis je te l'amène. Après, soudé sur une batterie, je suis jamais très fan, mais bon, j'ai pas le choix. Ok, là, t'as le lien là-haut que tu peux déjà copier. Puis tu dois remplacer dans ton code. C'était où déjà, c'est... J'ai reçu, ceci n'est là, pas un test. Ah. Bah, j'ai pas reçu alors. Si. Ah oui, c'était Linda. Dans Tools. La vie est belle. Arthur qui nous dit salut. Salut Arthur. Ensuite, t'as la Wi-Fi 101. Ouais, au-dessus. C'est ça, ouais. Et là, c'est. Ici, tu mets add domain. Est-ce que tout le monde a réussi à faire ça ou pas ? Oui, ouais, tu peux le remove. Add domain. Là, tu le colles. Ok. Il est là. Et puis. Super bizarre. Ouais. J'ai pas compris, pardon. Ça va marcher. Ouais, tu peux quand même marcher. Ouais. Est-ce qu'il y a des caractères spéciaux dans ton access point ou pas ? Non, tu vois, c'est pas vraiment tout con, quoi. C'est un truc spécial. Là, t'es sur ton partage, là. Okay. Après, quand tu le scannes, tu le vois, ce Wi-Fi ou pas ? C'est l'erreur que t'avais avant ? Avec le code qu'on avait avant pour scanner. Ouais, je vois. Ça marchait ? Ouais, parce que normalement, il devrait être capable de se connecter. Après, comme je disais, des fois, c'est les protocoles, quoi. Il suffit que ça soit un 5.0 ou un 2.4, puis ça marche pas, quoi. Surtout des petits modules comme ça. Bah, je suis pas sûr, en fait. Non, ceux-là, ils sont assez récents, mais c'est juste qu'il y a des protocoles qui sont pas capables de... Ils sont pas capables. Peut-être qu'il y a des protocoles avec beaucoup de couches pour de la sécurité, des choses comme ça. Ouais, mais là, peut-être que... Je sais pas ce qu'il a comme protocole, quoi. C'est un truc pas mal, ça me semble bien. Ouais, ça a l'air pas mal. Enfin,
En plus, c'est le genre de truc que tu achètes pour faire ce genre de projet. Hein. Donc, ça devrait marcher. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, pour l'auditeur, c'est ça? Ouais, exact. Donc, toi, tu as toujours cette histoire de CPU reset, hein? Mais ta mère, pareil. Oui, j'ai toujours ça. Parce que là, je compte deux fois, une fois que c'est lancé, ça a une sorte de bootloader, quoi. Ici. Ouais, exact. D'accord, mais moi aussi, j'ai tout fait. Non, ça, c'est quand ça t'allait vert, ça fait plein de trucs rouges. Ouais, ouais, ouais. Là, tu vois, mon USB, il s'affiche bien. Ouais. Et malgré ça, il arrive à me dire. Mais si t'essaies avec un no sketch, genre un blink ou un truc comme ça. Ah, là, terminé ? Qu'est-ce qu'il dit là ? C'est bon, ouais. Ah, okay. Les grands affiches. Ah, là, c'est bon. Ah, parfait. Parce que ça ne s'affichait pas dans mon moniteur CV non plus. Alors, connexion refuse, c'est possible que le certificat, tu ne l'aies pas bien mis. Ah, ok. À mon avis, enfin, ça me rappelle il y a quelques nuits, quand je stressais que ça ne marchait pas. C'était à cause de ça. Okay. dans fichier exemple. Bah. Non, ça, c'est bon, hein. Bah là, on voit que tu n'as pas de certificat. Donc, ça veut dire que justement, tu ne l'as pas mis. Ça, je l'ai mis tout à l'heure. Bah là, le problème, c'est que tu n'as pas le sketch firmware updater. Du coup, ça ne va pas marcher. Yes. Ok, là, ça devrait normalement fonctionner. 8820. Et n'oublie pas de mettre les 4 pins dans le setup. Après, là, ce que vous vouliez faire, c'était utiliser la même base de données pour les 3. Vous pouvez, c'est juste qu'après elle ne sera pas différenciée dans le sens où vous pourrez. Vous allez les trois remplir la même base de données, mais vous n'aurez pas un truc personnalisé avec une carte, avec vos données, mais ça. Si ça va pour vous. C'est ça, ouais. Fermer la page, c'est qu'il faut le laisser. Non, une fois que le code est uploadé, il est tout là-dedans. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de la page. Et surtout, même, tu n'as surtout pas besoin du serial parce qu'il va même te dire de le fermer. D'accord. Donc là, c'est bon. Donc là, tu n'as pas besoin d'avoir la fenêtre ouverte. Donc là, je peux le fermer. Ouais, tu peux le fermer, ouais. Donc là, je vais là. Ouais, exact. Et je date. Dans add domain, il faut ajouter un domaine là, en bas. C'est... Le bouton add domain à droite. Et là, tu vas mettre l'adresse qui est dans le code Arduino. Ouais, c'est le host. Tu peux le copier tel quel. Ouais, exact. C'est bon, il y a tout qui fonctionne de ton côté. Tout marche. Ouais, ok, très bien. Cool. Et là, upload certificat. Ça, j'ai fait ça. Alors, maintenant, tu peux essayer de re-upload ton code. J'appuie ou pas ? Ben, enfin, normalement, faut le faire avant, mais là, ça a l'air de téléverser. Donc là, si tu ouvres le serial port, là, c'est bon, ça l'a téléversé. Connecting to Wi-Fi. Et là. Cool. Le message test est envoyé. Donc, ça marche. Ça marche chez vous ? C'est bon ou pas ? Là, ça marche aussi, ouais. Ouais, c'est cool. Parfait. Alors là, ce que je vous propose, c'est que je vous montre le code final. Non, on le fait avec vos databases. On le fait avec vos databases. Et après, on met le code final sur vos databases. Ah ouais ? C'est quoi ? C'est des problèmes de connexion Internet, toujours ? Ben ouais, mais c'est bizarre, quoi. Mais c'est quoi ? C'est toujours la même étape Est-ce que dans le setup... Dans le setup... Ouais, non, mais ça, t'as pu te connecter à un truc. C'est bizarre que ça marche pas sur un autre. Alors, est-ce que vous avez encore votre page database sous les yeux ? Firebase, pardon. Alors, on refait. Vu d'ensemble, vous êtes là. Vous créez un nouveau projet. T'as pas de retour. Comment ça, j'ai pas de retour ? Sur l'écran. Écran de Paul, s'il vous plaît. Il est où mon stream deck pour que je change mes scènes moi-même, là ? Ah, catastrophe. Invisible Network.
enfin ce, comme vous l'avez appelé. Une fois que vous êtes sur cette fenêtre, à gauche, il y a l'onglet Real-Time Database. On clique dessus. Ça nous amène vers une fenêtre où il y a un bouton Créer une database. Si vous n'avez pas la même fenêtre que moi, vous n'avez pas les mêmes datas, mais ce n'est pas une fenêtre apparente, cliquez sur Créer une database et vous la mettez en ouverte avec les règles. En mode test, c'est ça. Est-ce que c'est bon ? C'est mieux, ouais. C'est mieux. Démarrer en mode test. Alors là, vous avez une database qui est sans doute vide et vous avez un lien ici qui est un URL. Si on regarde dans mon code Arduino, c'est exactement le host, c'est exactement ça, sauf que j'ai enlevé le slash de fin et j'ai enlevé le https://. Donc vous pouvez le copier depuis le point app, enfin le deuxième p du point app jusqu'à la première lettre du nom que vous avez donné et le remplacer dans Firebase host. C'est bon pour tout le monde ? Ça joue, c'est vous ? Oui ? Ouais, ça, tout d'abord, ça joue. On va maintenant dans paramètres du projet. En haut à gauche, il y a le petit engrenage. C'est dans, enfin, pas de paramètres du projet, pardon. C'est utilisateur et autorisation, mais c'est sous l'engrenage. Vous cliquez. Et il y a... c'est où ? Je ne le connais plus par cœur. C'est ouf. Tu cherches quoi ? Le mot de passe secret. Mot de passe secret bien caché. C'est où ? Non, c'est pas là. Est-ce que c'est dans authentification ? Non plus. Voilà. Tout à fait. Compte et service. J'étais là-bas, j'ai pas vu. Générer une nouvelle clé ? Non, c'est pas ça. En Java ? Bien sûr, c'est ça. Code secret de la base de données. Alors, pardon. Je reprends. Vous allez sur l'engrenage. Vous cliquez sur utilisateur et autorisation. Vous allez sur compte et service, qui est l'onglet du milieu. Vous allez sur code secret de la base de données à gauche et ici même vous trouverez un mot de passe secret caché derrière des points. Vous cliquez sur afficher sur le bouton copier et c'est le Firebase AUTH qu'il faut remplacer par ce que vous venez de copier-coller. Et là, si tout se passe bien, que vous re-uploadez votre sketch, et ben exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ça me dépose un petit message test, ben ça devrait se passer chez vous. Donc si vous ouvrez l'onglet Real-Time Database et que vous le faites, vous devriez voir ça apparaître chez vous. La première personne qui fait ça met un pouce en l'air pour que je sache. Sinon, personne ne se presse. Vous êtes buveur, 30 minutes, Paul, 30 minutes. C'est bon. Allez. Ah. Ouais.
Alors oui, alors est-ce que vous avez bien suivi la... Exactement. Le certificat. Je vois qu'il y a des gens qui écoutent ici. Donc on va faire exactement pareil. Donc il faut mettre firmware updater. Et puis il faut créer un certificat avec cette nouvelle URL qui est la nouvelle URL de la database. Donc je le fais avec vous, même si j'en ai pas besoin finalement. File, example, Wi-Fi 101, firmware updater, n'oubliez pas de mettre les pins 8724 ou 8742, c'est quoi déjà? J'ai déjà oublié. C'est le même fichier. Même, on l'a tellement utilisé, j'aurais dû l'enregistrer quelque part avec les pins. Alors, 8742. Donc, on met les pins dans le setup, 8742. On upload le sketch. On ouvre l'onglet Wi-Fi firmware updater. Et on va créer un certificat avec notre nouvelle URL. Tout le monde arrive à faire ça ? Ben, il faut le faire avec ton nouvelle URL. C'est-à-dire l'URL de la database que tu as créée. Est-ce que tu as encore le serial port ouvert ou pas ? Firmware? Ok. Ah. Ne faites pas cette erreur. Firmware updater, tools, Wi-Fi. Et là, on sélectionne la carte, test connection. Ça marche. On rajoute un nouveau domaine. T'es où ce sketch là? Et si tout se passe comme prévu, que vous avez bien votre certificat, vous devriez pouvoir lancer le sketch et lancer des choses dans votre database. Donc, gardez la fenêtre Real-Time Database ouverte pour voir si ça fonctionne. Alors, est-ce que tu as une fenêtre serial ouverte ? Le firmware updater, tu l'as remis ? J'ai pas fait un nouveau firmware updater. Alors ? En fait, ça c'est l'ancien. Ouais. J'en ai pas fait un nouveau, je sais pas comment tu veux. Mais t'as pas besoin de. Il faut juste le re-upload. T'as pas besoin d'en créer un nouveau. Comment je fais pour le ré-? Ben, tu cliques juste là. Ah, c'est ça. En gros, si tu veux, ça, c'est un code qui va mettre ta carte en condition. Pour accepter. Exactement. Et du coup, j'ai rien changé. Ouais, t'as rien changé. En fait, ce qu'on va changer, c'est... C'est ce qu'on a à faire après. Exact. Du coup, là, je vais venir ici, je fais après test connection. Test connection, d'abord. Premièrement, ouais. Ah, ça fonctionne. Marche. Ben, ouais. Là, ça devrait marcher. Ouais. Là, on essaye. Et maintenant, j'appose mon nouveau. Avec mon nouveau database. C'est celui-là. Ouais.
que ce projet? Non, pas trop. La non, pas trop. C'est le premier. Ouais. En termes d'électronique, on fait. Non, c'est plutôt. Bon je sais pas si vous étiez là au début de la présentation. Ok. Bah, je peux montrer vite fait. Alors, ouais, mais on fait peut-être la, ferme. On fait de la 3D. On fait un peu de vidéo. On fait des sites web, des apps. On fait quand même pas mal de choses différentes. Du coup. Bon, bah attends, je peux te montrer sans problème. C'est terminé. Est-ce qu'il se trouve le salaire? On a fait une petite vidéo très rapidement. Ouais. Ça, c'était de la 3D pour un designer qui faisait des nouvelles manières de présenter les repas. En fait, ça, c'est des. À moitié. Comment dire, c'est des ustensiles de cuisine au final. Non, mais là c'est vraiment une connexion de Wi-Fi. Là, en gros, il n'y a même pas encore la question de la base de données parce que tu n'arrives même pas à te connecter au Wi-Fi. Regarde juste dans tes ports. Donc là, on est connecté au port. Et surtout pour les rendus, on utilise Octane. Alors, appuie sur le bouton Restart et réouvre la fenêtre sérielle. En fait, on a appris là-dessus, en fait. On a appris sur CinemaCatD par rapport à notre formation. Mais ensuite, on utilise un peu de tout. Et puis là, tu peux ouvrir le sérial. Mais on fait plus ce genre de choses que... Est-ce qu'il n'y a pas d'autres céréales ouvertes? Ah oui, ça, tu prends un personnage déjà modélisé, mais ensuite tu crées les textures, tu crées plus la lumière et le type de rendu. Mais après, le personnage, on ne modélise pas nous. Par contre, ça, oui, ça, c'est des effecteurs qui font que ça modifie le mesh. C'est vraiment une question d'accès. Ça, c'est nous, ça, ouais. Et toi, en mode upload, là, fais-la. On a plus l'habitude de faire ça que de l'électronique. Clique sur le bouton. Là, ça. En gros, quand on double clic, ça met comme ça, ça pulse. Et en gros, c'est un mode qui est mieux pour update. C'est une sorte de clicker. Et là, en gros, t'as... mais là, ça change même pas le. C'est bizarre. Ok. Ouais. Ah, mais il faut une énorme machine pour. Non, même pas. Ok. Ok. Et là, j'espère que ça marche. C'était versement terminé. Ouais. Ouais. Là, ça cherche le Wi-Fi, en gros. Connexion, erreur, connection refuse. Okay. Alors, c'est possible que le... Ah, j'ai oublié de vous montrer un truc, c'est ma faute. Ah, c'est le Wi-Fi. C'est pas que le Wi-Fi. C'est dans la database, il faut donner les droits d'autorisation, en fait, à n'importe qui. La connexion à donner. Alors, je veux bien avoir mon écran, si c'est possible. Merci beaucoup. Ouais. Dans authentification, dans les onglets de gauche de Firebase, authentication, authentification. Commencer. Donc vous cliquez sur authentification, commencer, et tout en bas, il y a Apple. Non, c'est pas ça. Il y a anonyme. Et vous cliquez sur anonyme, activer. Activer. Enregistrer. Non, c'est ça. Hein. Je crois bien que c'est ça. Et puis vérifiez quand même que dans vos règles, vous soyez en règle dans vos règles. Voilà. Vérifiez que ici, ça soit soit écrit now, soit vous pouvez juste remplacer par true. Et true, comme ça, c'est. Voilà. Publier. Voilà. Et normalement, là, vous devriez aussi reconnecter. Si l'erreur, c'était connection refuse, c'était sans doute à cause de ça. Les règles, c'est. Règles, c'est dans Real Time Database. Et puis en fait, c'est le deuxième onglet sous le titre. Et puis là, en gros, c'est genre read en true, virgule, write en true, et puis c'est tout. Mais après, si t'es en now, ça fonctionne aussi, si jamais. Hein. Une fois que tout le monde a ça, je vous propose qu'on upload le code final sur vos Webot.
Et puis s'il y a des soucis hardware, des batteries, des écrans, des trucs qui ne marchent pas, on s'en occupe sans souci. Connection refuse again. Alors, je vais regarder. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors. Alors, je vais créer une nouvelle database, je vais essayer. Comment ça? Vous êtes tous sur le Wi-Fi de Paul ? Ouais. Alors ça vient de chez toi. Faut que tu restes sur le portage de connexion. Ouais, mais le connection refute, c'est en lien avec la database et les autorisations. Donc c'est soit le certificat, soit les règles du... Ouais, Paul, faut que tu laisses ton tel allumé pour pas que tu le verrouilles. J'avais souvent ce problème. Faut que tu restes sur cette page, ouais. Alors... Qu'est-ce qui se passe si je crée une nouvelle database rapidement? Ça marche? Nickel. Donc toi, tu as mis authentification anonyme, dans les règles, tu as mis now ou true, et puis tu as fait le SSL et ça fonctionne. Alors ce que tu peux essayer de faire, c'est que tu peux prendre le code qui s'appelle Webot, Webot Mapping Festival. Il y a plein d'onglets, donc si tu veux le download, ça sera peut-être plus simple. Et puis ben, de juste changer les paramètres de la base de données et puis du Wi-Fi que tu utilises dans le code et puis d'essayer de voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a... Toi, ça fonctionne? Non. Ok. Donc, dans le... Pourquoi ça peut venir? C'est true. Ouais, juste virgule à la fin de chaque ligne. L'adresse du domaine, c'est bon si on enlève le HTTPS? Alors, l'adresse du domaine, il faut enlever le slash de la fin et enlever le HTTPS 2.// au début. D'accord. C'est bon. Comment? Ouais, ça c'est normal. Ouais, ça c'est bon, ouais. Et puis, ben, il faut pas oublier de faire le SSL avec cette adresse-là, donc oublier de faire le certificat avec cette adresse-là. Si j'en crée un nouveau. Le SSL, c'est avec la Le SSL, c'est avec la même adresse. La même adresse que celle qui est dans le host. La même adresse que c'est. Oui, tout à fait, ouais, totalement. Ah non, pourquoi ça met en mode verrouillé?
avec le quoi. En gros, quand tu le mets en true, t'as pas besoin d'avoir tout ce qui vient après. Ah. Et puis en fait, aussi true, c'est pas un... En gros, c'est le même truc qu'on disait, le type. En fait, là, c'était entre guillemets. Et true, en fait, c'est un booléen, donc en gros, c'est un état fixe, donc il n'y a pas besoin de guillemets. C'est quoi, c'est une sorte de timeout, l'autre truc ou... Ouais, en gros, c'est exactement ça. Il est bizarre bien, le temps c'est de T, non bien, mais c'est comme avant, alors. Tu penses que ça change rien de toute façon, non? Non, ça change rien, c'est juste qu'un jour, ouais. Et t'écrivais un mail en te disant, ouais. Mais. Normalement, ça, avec ça, ça devrait fonctionner. Hein. Ouais. Je le refais. Ça devrait fonctionner, mais du coup, ça fonctionne pas, alors. On a tout fait comme. Donc là, dans authentification. Le SSL, le serveur, le certificat, quand tu réouvres le firmware updater, tu arrives à le voir ou pas? Ouais, non, c'est lui qui a rajouté le 443. Oui, normalement, c'est lui, ouais. Ça, c'est bien ton adresse. Invisible Network. Ouais, c'est ça. Une fois que j'ai fait ça, je dois faire quelque chose d'autre. Là, tu dois les upload. Tu as upload le certificat ou pas? Ouais, non. Je suis upload. Bah, peut-être essaye, mais. Mais normalement, quand il est upload, c'est bon, quoi. Fermer updater. Ouais. Avec le tien, ça marchait. Ouais, je suis con. Chez toi, ça marche toujours pas. Hein. Mais je sais pas pourquoi, moi ça me fait ça aussi. Donc, est-ce que tu as gardé cette fenêtre ouverte? Est-ce que tu l'as... Donc je reprends. Ouais, mais je dis le firmware. En fait, le truc, c'est qu'on est obligé de mettre le code firmware updater pour que ça marche. Exact. Exactement. Je commence à comprendre. Même si je ne comprends pas vraiment en profondeur, je comprends. Bah, après, ouais, c'est, en fait, c'est la logique de. C'est aussi des fois la logique. Si, il y a besoin tout le monde aussi. Là, le port ne marche pas parce que le sac est ouvert. Ben, justement, des fois, c'est un peu embêtant. Des fois, ça se déconnecte. Ça arrive, mais c'est assez variable. Mais normalement.
Si tu refresh ta page de partage de connexion, normalement ça tient au moins, je dirais, 10 minutes. Et après, tu vois, si c'est dans l'idée de choper quelques wifi, ce que tu fais, c'est que tu le gardes dans ta poche sur la page de partage de connexion. Mais c'est clair que des fois ça va se déconnecter. C'est pour ça qu'on a aussi l'option carte SD. Parce que là, le certificat, ne fonctionne pas, mais qui serait plus viable en fait. Parce qu'on ne va pas être connecté tout le temps à la database. Bah ouais, mais là, tu as les certificats, donc je comprends pas pourquoi ça marche pas. Bah, du coup, c'est bien l'adresse de ta database, celle-là. Bah, je crois que je peux vérifier. Ouais, c'est ça en fait. Là, vous changez de Wi-Fi, si vous restez sur SweetPol, ça va pas. Wi-Fi tracker, on remontre ce que c'était dans l'autre là. Ça a l'air d'être ça. J'ai enlevé Wi-Fi tracker. https://, et le slash à la fin. Ouais. Et j'ai fait pareil sur le host. Wi-Fi tracker. Et le mot de passe secret, c'est le bon mot de passe. C'est dans les réglages, c'est sur le petit rouage à gauche. Ah oui, c'est... News. Là, c'est, je passe rien du tout là. Donc j'ai fait là, le truc. Enfin, j'ai mis la chute. Et puis je l'ai réuploadé encore, c'est juste, non, c'est encore pas forcément, il y a là. Connection to database, oui. Parce qu'en fait, tu vois, il a qu'un seul programme à la fois. Ouais. Et en fait, firmware updater, c'est considéré comme un programme, si tu veux. Donc, il faut après, à chaque fois, remettre... Ouais, totalement. C'est ce que j'ai fait. Je le fais une deuxième fois. Ben, là, le truc, c'est qu'il n'y a pas de téléversement terminé. Je ne suis pas sûr que ça... Ah, là, ça cherche le Wi-Fi. Je cherchais mon téléphone. Il est où, mon téléphone? Connection lost. Tu utilises quoi comme Wi-Fi? Montre dans les réglages. Là, tu utilises mon Wi-Fi. C'est peut-être mon Wi-Fi qui ne fonctionne pas. Parce que le collection loss, ça veut dire que en faisant ça, tu as perdu la connexion. Donc ça vient de mon téléphone, ça. Réessaye, là. T'as pas besoin de les re-upload. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux juste cliquer. Ça le reset. Okay. Et puis après, tu réouvres la fenêtre. Parce qu'en gros, là, il y a un while serial. Tant qu'on n'ouvre pas la fenêtre, il ne va rien se passer. Okay. Du coup, tu le resets là et puis après, tu recliques. Là, je pense que c'est ça. Je pense que ça vient de ça. Essaye. Ouais, tu cliques là. Et là, tu ouvres. T'as mis tes informations. Là, réouvre. Connection refused. Ouais. Qu'est-ce que ça dit de quoi? Là, va dans tes authentifications. Non, mais regardez ça. C'est juste des virgules, là. Ouais, ça c'est juste. Et là, on est d'accord. Il te met l'erreur? Parce que t'es toujours sur le... C'est le anonyme. Il faut tous les mettre OK? Non. Si seulement. Local. Attends. Du coup, il faut que je mette le sketch firmware updater. Ouais. Comme ça me permet de faire ça. C'est ça. Donc, les fois que j'ai fait ça, je mets ce sketch-là. Ouais. Okay, c'est ça. Normalement, c'est ça, ouais. Ouais, mais ça, c'est ce mot de passe, mais c'est pas autre chose. Après, je t'avoue que ça, c'est la partie là où je suis moins familier. Mais je pense que ça. Normalement, c'est comme là, ça que je le comprends. J'ai peur qu'il ait gardé les certificats. Ah, non, pas si, c'est bon. Default. Mais ça, c'est le mien de certificat. Non, et LC, c'est le mien. Ah ouais, t'as raison. Je sais pas du tout d'où ça vient. Peut-être essaye de refaire une database de base. De refaire une nouvelle database. Ouais, peut-être. Donc, pour faire une nouvelle database, tu cliques sur Firebase en haut à gauche. Et là, tu refais la. Wi-Fi, connection ça lost. Ça prend à chaque fois autant de temps? Dis ça à chaque fois. C'est
ça va lui donner le code pour les textes aussi. Là non, là pas encore, non. Ça c'est le code justement que Paul va essayer de va montrer juste maintenant. Là ça va juste permettre de se connecter au Wi-Fi. Toujours. Là, si on le restart juste. Je crois que là-bas ils ont réussi, ouais. Attends, mais est-ce que c'est... Non. En fait, j'ai du mal à... Paul, le problème que tout le monde a là maintenant, c'est un problème similaire ou... Quoi? Tout le monde a le même problème là, actuellement? Bah, tout le monde a l'air d'avoir le même problème. Mais j'ai de la... Je sais pas pourquoi, en fait. Parce qu'en fait, tout le monde avait réussi à se connecter à ma database, ça, il n'y a pas eu de souci. Hein. Ben, on l'a vu, ouais. Réessayez juste de mettre les logs de ma database pour voir ce que ça donne. Voir si ça vient d'autre chose ou pas. Tu vas sur le rouage, dans utilisateur, auteur, autorisation, l'onglet du milieu, compte de service, donner... De quoi de... Non, ça c'est propre à votre database. Ça. Bah, c'est tout en fait, c'est l'URL, c'est le mot de passe, c'est le certificat. En fait, le connection refuse, il peut venir d'un des trois. Effectivement, si vous n'avez plus le certificat de ma database, il faut le remettre aussi. Vous avez réussi, non? Une fois. C'est tout? Ah ouais. Bon, si ça a marché une fois, t'as pas besoin de changer de database, normalement. Ça marche. Très bien. Parfait. C'est ce qu'il fallait faire. Je vais... Ça change quelque chose. Il faut configurer la base de données. Bah oui, normalement, en fait, en mode test, ça. Mais mode test, si tu... Bah alors en fait, si tu mets en true, ça la met en mode ouvert, si tu veux. C'est la même chose que si on fait en démarrer en mode test. Ouais, ouais. Ça change. Mais en fait, c'est juste par défaut ce que ça met comme paramètre là. D'accord, c'est tout. Mais du coup, si je vais faire ça, puis je vais mettre tout. Ouais, tu peux faire ça. Il faudra juste publier, il y a un truc qui dit « publish ». Donc, dans les règles. Et là, je mets trop. Mm-hmm. Et tu cliques sur « publier ». Il n'y a pas mis la virgule. Ouais, tu peux la mettre. Mm-hmm. Ouais, celle-là, c'est le deuxième onglet d'authentification. Mon ventre qui fait du bruit. Non, c'est, il a vu le code secret, il a fait... Est-ce que tu as essayé qu'un autre Wi-Fi?
croisière, les messages, attends, on va se désonner. Mm-hmm. Si tu vas dans les certificats, on te l'a toujours. URL. URL, oui. Ok. Ça, c'est la tienne. Moi, tu pouvais laisser, hein, mais... Super bizarre. Je vais juste faire 2-3 recherches, regarde. Tout le monde a toujours le même problème là ou bien ? On dirait, ouais. T'as une piste où ça peut venir ? J'aimerais que. Pas trop t'aider là. J'avoue que je suis un peu du père pour ça. Enfin, en vrai, j'ai. Toutes les pistes que j'ai. Sinon, tout le monde se connecte sur la même database. Ouais, mais je crois qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à se reconnecter. Parce qu'au final, c'est. Ouais, si tout le monde est sur la même database, c'est pas plus grave que ça. Tu vois. Mais Boris, t'as réussi à te reconnecter à la mienne, non ? Bon, puis on fait ça. Hein. C'est juste que tout le monde aura les mêmes infos, enfin, tout le monde va partager ces informations dans le sens où. Ce serait une sorte de gigantesque database. Ouais, ouais. Pourquoi pas, hein. Oh, ça peut aussi aller, hein. Je pense bon, la solution de backup, sinon. C'est que vous essayez de vous reconnecter à la mienne et que toutes les datas, elles viennent dessus. Que ce soit une seule gigantesque database partagée. Ouais. Du coup, le week-end prochain, on vous donne vos datas, quoi. On vous fait un fichier avec tout dedans. C'est embêtant, mais. Tu vois, c'est mise en abîme, quoi. Attends. Je crois que j'ai pensé un truc que j'ai pas. Est-ce que c'est ça? Écoutez, je crois que j'ai encore oublié de mentionner quelque chose et c'est sans doute de ma faute. Est-ce que je peux avoir mon écran, s'il te plaît? Je suis pas sûr que ça vient de là, mais ça peut venir de là. Croisez les doigts. Dans l'onglet authentification, en plus de mettre en anonyme, on peut ajouter des noms de domaine personnalisés, entre guillemets. Et en fait, il y a possiblement moyen qu'il faille mettre cette adresse-là ici. Je suis pas sûr qu'il y en ait besoin, mais ça peut venir de là. Tu dois le mettre cette adresse, tu dis ? Donc là, juste ajouter un domaine et vous ajoutez juste l'adresse. Celle-ci-là. Je
suis pas sûr que ça change grand chose, mais c'est peut-être. Donc, dans authentification, sign-in method, nom de domaine attribué, et vous mettez le même nom que la database, le même que vous avez utilisé comme host, le même que vous avez utilisé comme SSL.